Je faisais de l'UNSS handball. UNSS, ouais, handball pendant 3 ans. Et après, j'ai dû faire le choix entre continuer dans le judo ou dans le handball. Et j'ai choisi le judo. À la base, de base, j'ai fait UNSS foot. Et sauf que comme j'étais athlétique, du coup, je me suis retrouvé à être le joker dans toutes les équipes. C'est les France UNSS, tout ça, c'est ça? Oui. Ok, moi j'ai jamais participé, mon frère avait participé aux UNSS, moi j'ai pas eu la chance, parce que du coup je fais beaucoup de choses, mais je sais que mes classes voulaient que je participe aux UNSS des fois, mais c'était pas possible avec le planning, mais oui je connais. J'ai fait du hand, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du tennis. Évidemment, moi je suis étudiante, moi. Bien sûr que je connais l'UNSS. Qu'est-ce que vous avez pratiqué comme sport? Là-bas, j'en ai fait aucun, parce que du coup, avec le sport de niveau, c'est un peu compliqué. Mais forcément, j'étais inscrite aux associations, pardon. Et j'ai aussi soutenu un peu à ma fac pour faire des photos, aller voir les étudiants qui faisaient du sport là-bas. J'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, bref, j'ai vraiment, à chaque fois qu'il y avait un trou, on disait, allez, il est fort. Du coup, j'ai fait très belle expérience. Je suis championne de France UNSS. J'espère être plus une source d'inspiration, de promouvoir le sport, d'aider les jeunes à avoir envie de faire du sport, peu importe la discipline, et de les faire rêver et de leur montrer que tout est possible. Donc oui, j'espère. Après, j'en sais rien, mais vu tout ce monde, je pense qu'on est assez exemplaires. C'est fou, honnêtement, c'est fou. Je me rends et on se rend pas compte, je pense, à quel point on peut inspirer en étant des sportifs, en étant des sportifs français qui se battent pour leur nation, pour leur couleur et pour aussi leur conviction personnelle. Donc c'est fou. Et je trouve que c'est vraiment hyper positif de voir que voilà, rien qu'en faisant notre sport, rien qu'en faisant ce qui nous plaît, rien qu'en ayant cru à nos rêves, j'ai envie de dire, on peut aller loin et on peut avoir des valeurs et les défendre en fait sur le tapis aussi pour le coup. Donc ouais, c'est fou. Un exemple, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, quand je regardais les Jeux Olympiques, ça me donnait envie et j'ai pris certains athlètes comme Usain Bolt ou Florent Manoudou comme exemple. Du coup, ouais, si je le suis aujourd'hui, je suis content. Bah, ça me rend fière. Je suis vraiment contente quand les jeunes viennent me voir et qu'ils disent que vraiment ça les aide et que ça les booste. Je me dis qu'en fait, ça a un double impact. Alors bien sûr, c'est un premier impact déjà pour moi, mais si ça peut en plus aider les jeunes et ouvrir des vocations, moi, c'est avec plaisir. Bah, franchement, ça fait vraiment plaisir. Moi, il y a quelques années, j'étais pareil. Je regardais les Florent Manoudou ou Usain Bolt et ça m'a donné beaucoup de force. Et du coup, j'espère que ça fera pareil pour eux. À tous les jeunes qui font de l'UNSS, déjà, c'est trop chouette. C'est un moyen déjà de faire du sport, de découvrir aussi peut-être un autre sport qu'on n'a pas l'habitude, de faire des compétitions, d'avoir un petit goût de combativité, d'adversité. Et puis en fait, le sport, c'est génial parce que c'est aussi bon pour la santé. Donc j'ai envie de vous dire kiffer. Et après, n'oubliez pas d'aller vous licencier aussi dans les clubs et c'est génial. Kiffer. Et si ça vous plaît plus, bah arrêtez, mais kiffer à fond, voilà. Il faut faire du sport quand on est étudiant, c'est important. Je pense en général, le sport ça aide à s'épanouir, ça aide à vraiment rencontrer des gens, à être bien dans son corps, dans sa tête. Donc il faut faire du sport. Profiter du sport scolaire et pour tester le maximum d'activités, peut-être que vous trouvez votre vocation avec l'UNSS. Merci. Merci à vous. La chose que je peux dire, c'est prenez du plaisir. À cet âge-là, c'est vraiment prendre du plaisir et faire du sport, s'amuser, connaître les joies de la compétition et après step by step. S'il y a quelque chose à détecter, ça se détectera tout seul. Merci. À bientôt.